Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer le fusil sniper Hyperium instantanément et même le fusil de combat Krunk and Squall instantanément sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 et vous allez voir que c'est super facile. Donc pour réaliser ce glitch, ce que vous allez faire c'est d'aller dans votre arsenal sur Warzone 2 ou Modern Warfare 2, peu importe. Et là, vous allez créer une classe. Voilà, je crée une classe et j'appuie sur L3 pour aller dans les options de la classe et je vais définir la classe que je viens de créer en tant que favori. Donc, définir comme favori. Voilà, parfait. Donc là, elle se met en première position dans vos classes. Donc, regardez juste ici, voilà, elle est en première position. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans Modern Warfare 2. Donc hop, vous allez dans Modern Warfare 2. Vous allez dans Partie classée. Et là, vous allez tout simplement aller dans Passe de combat. Donc vous allez dans le pass de combat, vous allez sur l'arme en question, on va y aller via la carte, hop. Vous allez sur l'arme en question et vous allez tout simplement appuyer sur X et une deuxième fois sur X qu'il est marqué équipé dans l'attirail en tant que favori. Donc vous appuyez une deuxième fois sur X et là l'arme a été équipée. Donc maintenant quand vous allez dans vos classes, que vous allez dans votre classe favori, donc attendez parce que là je suis toujours en partie classée, donc vous quittez bien le partie classée, vous allez dans vos classes de Modern Warfare 2 ou de Warzone 2, vous allez sur votre classe favorite, et là vous allez voir que vous avez débloqué l'arme Hyperium directement, instantanément. Donc maintenant ce que vous allez faire c'est d'aller dans Armurerie, et vous appuyez sur L2 pour sauvegarder votre classe. Donc on va mettre Snipe, voilà comme ceci, on enregistre, et maintenant... Si par exemple je veux la mettre en classe numéro 2, bah, j'ai juste à sélectionner l'arme sniper. Voilà, arme de précision. Fusil Imperium. Je clique dessus et là je peux sélectionner la variante. Donc je l'avais déjà fait. Donc c'est pour ça que je l'ai en double. Je vais en supprimer une. Et là bah, je peux sélectionner la variante. Donc bien entendu, si maintenant je supprime la variante, vous allez voir que je ne l'ai pas débloqué. Voilà, regardez, vous avez vu, j'ai un verrou dessus. Mais pourtant, je peux quand même l'utiliser et je peux l'enregistrer pour le mettre dans n'importe quelle classe. Donc là, je vais vous montrer la même chose avec tout simplement le fusil de combat, la Krunk si je ne me trompe pas. Donc je vais en partie classée, je vais dans passe de combat, hop, je vais sur la Krunk Squall, voilà, j'appuie sur X, je la mets en tant que favori. Voilà, j'appuie une deuxième fois sur X. Maintenant qu'elle est équipée dans mes favoris, je vais dans mes classes, donc je quitte la partie classée. Je vais dans mes classes, je vais même aller dans mes classes sur Warzone, vous allez voir. Hop. Je vais dans mes classes, attirail. Et là, en favori, j'ai la Krunk Squall, qui est juste ici. Voilà. Ensuite, je vais dans Armurerie, je la sauvegarde. Je vais mettre Krunk. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux l'utiliser sur n'importe quelle de mes classes. Donc regardez, je vais l'utiliser, me l'équiper sur une nouvelle classe. Enfin, voilà, sur celle-là, attirail numéro 5. Je vais dans fusil, je crois que c'est un fusil de combat, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, un fusil de combat, je la sélectionne. Et maintenant, elle est dans mes variantes, donc je peux l'utiliser sur n'importe quelle de mes classes.